Mesdames et messieurs, c'est Méfant, on se retrouve sur Stumble Guys. Des nouvelles astuces aujourd'hui à découvrir. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez le chaîne tout auteur en description de vidéo. N'hésitez pas à vous manifester avec un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et pour dire aussi que vous êtes toujours à fond sur Stumble Guys ou pas. Voilà. Si vous êtes sur d'autres jeux, ça m'intéresse aussi. Moi, je suis un petit peu en même temps sur Survivor.io. Je sais pas si vous connaissez, mais dites-moi en commentaire sur quel autre jeu vous êtes actuellement. Voilà. En plus de Stumble Guys. Pas en moins, en plus. Voilà. Tout est possible. Par ailleurs, les petits nouveaux abonnés, je vous fais coucou. Et puis si vous le dites en commentaire, je vous réponds en mode réponse avec le petit cœur et tout sympathique qui va bien. On est parti à la boum parce qu'on est pressé de voir ce qui va se passer. Donc on est sur Lost Temple. Ok, Lost Temple. Ok, la voie de gauche, petit raccourci j'imagine sur la gauche ici. Voilà, sauf qu'attention, il a jumpé au moment où c'était déjà, ça venait de tomber. Ensuite, petit passage sur la, le middle. Jusque là, c'est ok. Jusque-là, c'est OK. Ah, petit raccourci double jump que je ne connaissais pas. Nickel. Il est sympathique celui-là. Il est mignon, plus il n'a pas l'air trop dur. Alors, dans cette situation, je prends la poulette dans la tronche. Petit punch qui fait un cancel un peu aérien. Mais c'est pas mal. Très bien. Très bien, je note. Je valide. Le kick peut-être ici. Non, pour l'instant. La rambarde. Alors, le double jump, il est ici. Ok. Oh, le middle, il est chaud. Mais il passe crème. Simple jump pour la petite rambarde de jaune ici. Tout de suite enchaîné. Avec le... Ah ouais, purée, il est propre celui-là. Très propre. Des carrés. Il y en a des plus faciles que d'autres quand même dans l'histoire. Ok, autre chemin. Par la droite. Alors c'est vrai que par la droite, moi je le vois jamais. Hein. Les gars, ils font jamais. Oh, il prend le... Ah, il voulait ou il a foiré? Ok. Et là, il dit que c'est plus chaud. Bah déjà, je croyais que le premier était chaud. Ah ouais, la petite doublette ici, elle est quand même tendax. Ok, reprise sur la gauche avec le même jump que tout à l'heure. En double ici, simple puis double. Ok, il tente pas la deuxième marche directe, j'ai remarqué, qui est un peu plus chaude parce que le double jump qui peut permettre des vectures de climb sur la deuxième marche n'est pas forcément easy. Il va le faire quand même. Ah bah il va le faire maintenant, voilà. Ouais, il est plus chaud quand même. Hein. À part ce que si vous me dites que vous arrivez à tous les coups, je dis GG. Spin and go. Oh, il est passé à travers les potes. Il est passé à travers le marteau, mais attendez comment il a fait. Je pense que de base, j'y arrive pas ça. On fait rien. Double jump ici en plein milieu. Alors ça, je suis hyper étonné. Là aussi, double jump? Oh, sans kick, sans rien? Non. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a été patché ou quoi? Alors, le double jump ici, ça, je veux bien le croire. Est-ce que ça vaut le coup de le faire, d'ailleurs? Je pense que ça t'évite les obstacles, mais je pense que c'est pas le plus rapide. C'est quand même, regardez tout le détour qu'il fait pour prendre toutes les rambardes. C'est des extérieurs, quand même. Mais ça peut être une sécurité. Et ici? Oh, j'ai jamais été là, moi. Le double ici, ça, je veux bien le croire. Ça, la petite rambarde, normalement, ça passe. Ouais, ça, ok, très bien. On connaissait celui-là. Oh, je savais pas qu'on pouvait comme ça. Il y en a des mignons, hein. Il y en a des très, très mignons. Le double jump... Ah, il marche plus celui-là. Ah, quasiment sûr qu'il marche plus. Vous réessayerez, mais quasiment sûr. Je le vois plus du tout en fait. Même quand on regarde les streams, on voit plus les gens faire ça. Alors, ça. Attendez, alors. Un single. Ok. Là aussi, en single. À
Et tu mets à droite. Faites le jump à nouveau. Ok. Alors. Ouais. C'est du... à peu près ce qu'on connaît. Oh là, pas mal. S'il le fait sans jump, c'est pas mal. Oh purée, lui, c'est parti. Ah, le gars, il est... j'allais dire, il a doublé, mais... il a doublé dans l'île, pote. Ok, c'est propre, mais... je pense qu'on les... on les a... oh, par en dessous. Ou le par en dessous. Ou le par en dessous, et il est... le deuxième par en dessous, au niveau du H tourbillon, chemin de gauche maintenant. Il part un peu. Il fait exprès, vous pensez qu'il part comme ça? Ah, c'est possible qu'il fasse exprès. Ouais, là, il les a double sauté les deux cubes, je crois, à la fin, là, sur le rebord droit. Ok, humble stumble. Tout droit. Middle jump. Pour faire un double ici, qui passe ça. Je pense que vous le faites aussi. Jusque là, c'est une astuce qu'on connaît. Par contre, ici, ouais, middle, middle, middle. Extérieur, nom de qualif. Ah, là, par contre, c'est comment se qualifier à l'extérieur. Il faut galérer, hein. Il galère. Hein. Il faut aller pile poil centre. Voilà, pile poil centre, double jump. Bon, en cas de galère, c'est pas assez récupérable. Laser traceur. Donc, restez loin des lasers, éventuellement. Petit cœur ici. Et loin des punchs, oui. Bon, ça, c'est du bon sens. On est d'accord. Pas forcément. On peut chercher... après, il y en a qui jouent plus plutôt agressifs. Hein. Plutôt aller chercher près du laser avec... et emmener quelqu'un. Ok. Jusque-là, pas... enfin... on va voir. Sur laser traceur, c'était Tigeant. Sur celle-là, moi j'aimerais bien une astuce sur la fin, sur le dernier domino qui, quand t'es tout seul. Double jump ici, il passe. Vraiment? Vraiment? Le double jump ici sans passer par le petit coin rouge? Ouais. Tu. Ouais, quoi que oui. Le punch de Gangsel, il est ok. Mais si on peut se l'éviter, ça serait quand même pas mal. Voilà, celui-là, là. Ce jaune-là, là. Qu'il a raté, d'ailleurs. Mais il a quand même un check qui était bon. Ah, si on peut trouver une astuce pour aller plus vite direct, je veux bien. Ok, ça, c'est des distributions de cadeaux. Ça mange pas de pain, mais c'est pas le sujet. Hein. Bombardement. Bombardement. Alors, quelle va être la strat? Ok, la strat, c'est à l'opposé du bateau, parce que regardez, en fait, toutes les boulettes de canon, elles vont forcément... enfin, forcément, là, elles sont forcément, regardez, proches du bateau lui-même. Donc, si vous êtes à l'opposé, vous prenez jamais les boulettes. Très bonne astuce, que je ne connaissais pas jusqu'à peu de temps. Double jump sur la rampe à droite, ça, par contre, c'est possible, ça? Oh. Je l'avais jamais vu, celui-là. Oh, il est pas mal, hein. Il est pas mal parce qu'il a un bon boost de vitesse et il a l'air assez sécure. Single jump sur la petite côté et double après. Ah, c'était pour ça que ça marche pas, moi. Je pensais qu'il fallait double dès le début. Après, tu survoles la map. Après, tu fais un speedrun à moins de 10 secondes. Très intéressant, celui-là qu'il a fait avant, là, sur la petite rambarde de droite. Oh, le pun. Ok, ça, c'est plus aérien. Alors, moi, j'aurais bien voulu qu'il fasse celui... avec le bumper de droite, parce qu'apparemment on peut aller directement au niveau du lance-boulette. Mais celui-là, il était plus artistique, on va dire. Mais le premier était bon, parce que quand on regardait la vitesse. Ok, là il part tout de suite à droite, vous avez vu. Petit raccourci ici. Puis double jump ici pour aller sur la petite marche. Ok. Le petit contournement à droite, il y en a qui passent par la flamme directe. Non, j'ai peut-être une bêtise, c'est pas par la flamme directe. Ah, il est pas mal celui-là. Ok, après ça va être le petit plus le truc. Après, il va prendre drapeau, je pense. Ouais, il n'y a pas meilleur chemin apparemment là-dessus. Chemin drapeau. Double jump ici pour éviter lava. Et là, en biais ou pas? En biais. Et il prend le deuxième qui arrive plus tard. Attention ici, la boulette, il fait comment? Il va dessus. Intéressant. Petit passage
sur le volcan lui-même. Ok. On dit ok. Est-ce que la strat, elle est stratée, là, vous pensez? Ouais, il va essayer de lui bloquer tous les ceux qui sont devant, non? Ah, ouais, il l'a punché, même. Il l'a attendu, la queue, il l'a punché. Ok. Oh, il a protégé son terrain. Stratégie de protect de terrain. Par contre, j'aime bien son... ce qu'il est en train de faire, là. Attendez, ce qu'il est en train de faire, c'est un type sans soi, ça. Il n'en parle même pas, mais c'est énorme, ça. Regardez le hop, 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 hop. D'accord, il regarde en même temps ce qu'il y a en bas. Mais ouais, ouais, mais ça, si tu veux, mais... mais le hop, 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 il est magnifique. Le time, le petit timer de hop, hop, il, je trouve qu'il est plus facile que le moonwalk que vous avez déjà vu sur la chaîne, pour ceux qui suivent. BG. BG. J'aime bien le hop, hop, hop. Atteste. Ah bah le voilà, il en parle maintenant. Bah frérot, t'as fait que ça juste avant. Il est splendide ton hop, hop, hop. Très propre. Simple. Efficace. Ok, Space Race, c'est vraiment une map que je galère un peu. Pas vous cacher. Et pourtant, je l'aime beaucoup, mais je galère. Je la trouve trop stylée, mais elle est galérante. Ok, donc, petit tips sur le satellite du début. Voilà, à gauche. Là, il a bien évité celui-là, mais là, je le prends toujours à la tronche, hein. Ok, le petit rocher qui était légèrement incliné sur la gauche en double jump derrière qui permet d'aller sur Saturne. Faut que je le tente celui-là. Sample, du coup voilà. Là je me ferai plus avoir, je pense. Faut aller en sample direct. Suivi du double derrière. C'est comme la coin de IC 8 en fait. Ça c'est flippant, mais apparemment il passe large. Ok, après il nous faudra le tips pour voir la ligne d'arrivée. On la voit d'ici ou pas, hein? Il me semble que la bleue était au centre. Non, mal vu. Pas du tout au centre. En fait, je pense qu'on fond la ligne d'arrivée avec les petits rochers cristaux bleus là qui sont aussi là, non? Ah ouais, c'est ça. C'est ça le truc. Je me disais, c'est quoi le truc bleu? Et là, le petit tips pour voir. On voit le finish et à gauche, c'est les cristaux bleus. Mais c'est ça, ça ressemble, hein. En fait, à gauche, c'est les cristaux bleus, à droite, c'est le finish. Alors, si on est bon, c'est ça. C'est ça. Mais pas évident de loin, parce qu'avec le zoom, enfin... on a l'impression que c'est, ça se ressemble. Pivot push. Une map sympathique. Rebord, ouais, mais rebord... ah, l'autre rebord, celui-là, il peut grimper dessus? Énorme. Il a pas gagné beaucoup. Il a pas vraiment gagné de timing, mais... mais il peut y aller, quoi. Double? Non, simple. Ok. Longer couloir de droite? Ouais, longer le couloir à droite et même en dive. Ici. Alors, vous avez vu, il a freiné un petit peu avant parce que des fois, vous pouvez vous taper le... vous pouvez taper le vide, hein, quand même. Hein. Oh, il y a un petit boost de vitesse ici, si tu cognes ici. Pas mal. Ça ressemble un peu au... un mini... un mini IC8 aussi, mini colline. Marrant, il y a pas mal de boost dans ce jeu en se cognant sur les murs. Ah, alors ça c'est le chemin que généralement quand tu tombes, à cause de t'as pas réussi après prendre ton couloir de droite, tu tombes ici, et ben tu peux remonter par là. Et du coup ça t'évite de faire tout le tour. Très bon. Il l'a fait très propre là en plus, hein. 3 players to stop the goal et 5 players to score the goal. Ah ouais, 3-5. Il a une technique 3-5. 5 en attaque. Mais frère, il faut avoir une équipe soudée, quoi. Comment tu te passes le mot en fait? Faut être vocal, Discord et tout avec tous les joueurs. Ils vont jamais t'écouter. Mais fais voir, genre tu fais ça tout le temps, ça marche? Oh, par contre, je pense qu'il y a des petits punchs sympathiques là à mettre. Le double... ah, le quick. Ah, si tu fais... ah, il a pris ça qu'il a mis un bon boost, là.
pour le faire rapidement le double jump proche de la balle. Oh mec, il a mis le goal dans le... Ça c'est bon ça, mettre le goal dans le but, comme ça le ballon il passe direct. Très bon. Celui-là... On aurait pu le trouver nous-mêmes. Quoique, je suis pas sûr. Pensez à ce genre de truc vicieux quand même. Le petit losange violet du début est pas mal à mon sens, parce que t'es quand même sur une map où le milieu est quand même plus rapide en termes de distance que les côtés. C'est pour ça que je suis pas ultra fan des types sur les côtés, bien qu'ils t'évitent les obstacles. Canon ? Non. Canon ? Oh mec, comme s'il n'existe pas. Incroyable, je savais pas ça. J'avais vu le canon de gauche une fois, mais le canon du milieu, je pensais pas que tu pouvais passer comme s'il n'existe pas. C'est ouf, pourquoi personne... Je vois personne le faire. Après, je vois pas forcément des super joueurs le faire. C'est peut-être des... aussi noobs que moi. Voilà, alors là... Ouais, ce chemin-là, il... Bon, il prend zéro... Voilà, il prend zéro coup, mais... Bon. Voilà. Si t'es pas contre des ultra chauds, je pense... La petite île à droite. Oh, il arrive troisième case direct. Et ça peut être bon ça sur un starter. Si tu joues vraiment la chance, tu prends un starter case 3. Si tu l'as bon derrière, après tu peux tenter. Tenter d'être le Prums. Tu peux tenter un record du monde. Je crois qu'un record du monde, en fait, les gars, ils font même pas tenter le petit île. Ils vont directement tout droit. Il faut que ça ouvre tout. Que non, il fait 3 cases, je sais pas. Ne fais pas cette erreur. Ah bah oui, non, faut sauter direct, double jump. Quand t'as une case, tu peux la tenter. Ça passe normalement. Il va nous refaire le double jump. Oh mec, il nous fait le même que tout à l'heure. Ça passe plus, hein. Oh, il est passé par en dessous là, je sais pas si vous avez vu, je crois. Il est remonté par en dessous, on est d'accord. Il nous a fait comme le H. Ça, pour moi, c'est comme tout à l'heure. Le single, il nous dit la même chose. D'ailleurs, j'ai l'impression que même le gars qui est derrière lui, c'est le même. Les gars, ils ne seraient pas en train de nous faire la même, là. En commentaire, dites-moi, là. On est en train de se faire douiller ou pas? En tout cas, le parcours est magnifique, mais... Ah, mais celui-là, c'est pareil. Et là, il se fait doubler. Ah, bah, c'est ça, mais c'est le suite tout à l'heure. Remboursé. Rends l'argent. Même s'il est beau. Ah, le double ici, j'avais pas fait gaffe. En vrai, en revanche, un petit détail, j'avais pas vu le petit double d'Axel Dauphiné. Et ça finit comme ça. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Ciao, ciao.